Passion Montagne sur France Bleu. Jean-Michel Asselin, Christophe Garnier. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Un témoignage également recueilli par Jean-Michel Asselin, celui de Francis Dunoyel, un vieux monsieur survivant de l'expédition de la Naturna en 1950, expédition qu'il a presque montée d'ailleurs, initiée en tout cas. On y revient dans un petit instant. Passion Montagne sur France Bleu pour découvrir toutes les richesses de nos massifs. Chaque semaine, un reportage à cette heure-ci. Et là, c'est plus un témoignage que vous avez recueilli, Jean-Michel. Oui, c'est un témoignage assez intéressant parce que Francis Dunoyel, qui a 95 ans, est un des derniers survivants de ce qu'on appelle l'expédition à l'Annapurna en 1950, expédition au Népal. Et ce qui était très intéressant avec Francis Dunoyel, c'est qu'il nous raconte, il a été, vous savez, ambassadeur au Népal pendant des années et des années, et là, il nous raconte la genèse un peu, pourquoi les Français ont pu aller au Népal alors que le Népal était un pays totalement fermé. Et comment les Français finalement ont obtenu l'autorisation de faire un premier 8000 sur ces montagnes du Népal. Alors vous l'avez rencontré à Saint-Nicolas-de-Véros, il raconte la genèse du projet mais surtout son rôle dans le montage de cette expédition. Mon premier rôle, c'est que je l'ai inventé. J'étais à Paris, au Quai d'Orsay, et je m'occupais de l'Orient, c'est-à-dire de la Perse à l'Extrême-Orient. Et j'ai vu passer à la direction d'Asie une lettre du Club Alpin français et un échange de lettres avec Londres. Le Club Alpin cherchait à profiter des expériences de l'expédition de 36, qui était un vrai régiment parti dans les pays lointains. C'était trop lourd et donc cher en plus. On voulait profiter de cette expédition pour faire mieux, faire autrement. L'idée, c'était de remplacer l'attaque par un régiment, par un commando puissant et peu nombreux. D'où l'idée de faire une expédition avec 6 alpinistes et puis 3 de logistique autres. Et ça, c'est l'origine. Mais notre recherche et d'affaires, l'Inde venait des indépendantes. On ne sait jamais si vous essayez peut-être le Népal. Et il y avait sur place un certain Robert Tesnas du Moncel, qui était membre du GHM. On s'est dit tous les deux, à partir du moment où l'ambassadeur voulait faire un tour au Népal pour ouvrir les relations, confirmer les relations amicales avec le Népal, nous sommes dit, si on en demandait à l'ambassadeur de demander une permission pour une expédition française, ça a toujours été refusé à tout le monde. Alors, on s'est dit, bon, je vais le demander. L'ambassadeur a dit, pourquoi pas? Qu'est-ce que je risque? Alors, de Paris à Katmandou, à l'époque, c'était déjà sportif. C'était une aventure. C'était une aventure. C'était très amusant, d'ailleurs. Si je vous raconte tout ça, il y en a pour la journée, mais c'est possible. On fait d'abord l'avion, puis ensuite le train, puis ensuite le train de 60, qui est du Maharaja. C'était sympathique. Mais à partir de là, une fois sorti du terrain, il faut grimper. Et il nous avait offert très gentiment des chevaux, plus exactement des poneys, et puis des chaises à porteurs. Alors on commence à cheval, moi je connais le cheval. un tape-cul de première, alors on descend. On essaie la chaise à porteurs, et au bout de 3 minutes, on a mal au cœur. Alors on finit par monter à pied. Et là-haut, on a trouvé des voitures qui avaient été montées à dos d'homme, des belles Mercedes. Alors ils avaient simplement séparé ce qu'ils pouvaient, c'est-à-dire que les 4 pneus étaient montés séparément. Mais enfin, il faut quand même 20 hommes dessous pour monter. Et alors on est parti en Mercedes. Et ça s'est très bien passé, on était très bien reçus. Et c'est là que vous avez demandé. Et là, l'ambassadeur a demandé. Et en sortant, me dit, c'est étonnant, ils ont accepté, ils nous donnent deux montagnes à l'ouest, le choix entre le Dolagiri et l'Annapurna, étant sous-entendu quand même la partie Everest, on donnait sa priorité aux Anglais le jour où ils ont envie d'y aller, depuis plus longtemps qu'ils étaient allés, etc. 3 jours après, on était à rentrer, et nous avons commencé à ce moment-là à télégraphier à Paris. J'étais le correspondant à New Delhi, deuxième secrétaire du Club Alpin, et on a échangé des lettres tous les 15 jours. Ils avaient prévu une équipe de 8. Je finis par me demander si vous accepteriez que j'y aille à titre privé à vous suivre. Et ben, à ce moment-là, le comité des manières a dit, au fond, pourquoi pas. Comme je parlais un peu de pays que je connaissais, j'étais chargé à ce moment-là de la logistique. Ça facilite. Puis en plus, comme j'étais montagnard quand même, j'avais fait quelques petits 4000 dans la région, notamment le refuge Valo à ski. Et là où j'ai eu pour la première et la dernière fois le mal des montagnes. D'accord.
J'ai donc préparé l'expédition, acheté ce qu'il fallait, et puis alors, je tombe sur le secrétaire de l'Himalayan Club indien, qui me dit, eh ben, il faut que vous choisissiez des Sherpas. J'en connais, je vais vous présenter les Sherpas. Et il me présente Antarkey, qui était un des plus grands bonshommes de l'époque. Alors, on a discuté de tout, puis on s'est donné rendez-vous par une date fixée pour le début de l'expédition. Et ils sont venus à 9, et on est partis à 9. Il y avait une bonne moitié d'anciens, une bonne moitié de nouveaux, afin de former des nouveaux pour les autres expéditions à venir. Et là, nous sommes très bien entendus avec eux dès le début. Et donc, voilà, si vous voulez, l'origine, c'est ça. Février-mars 1949, on a lancé l'affaire, et l'expédition a donc commencé en mars 1950. Bon, on va pas revenir sur l'expédition en elle-même, mais il y a des choses précieuses là dans ce qu'il a raconté. Hein. Ah ben il y a des choses précieuses, comme cet étonnant voyage de Paris à Katmandou avec ces Mercedes qui appartiennent au roi du Népal et qui avaient été effectivement amenées à Dodon depuis la frontière indienne. Bon, faut imaginer ça, hein. Les gars qui démontent le moteur, les pneus, la carrosserie et qui transportent tout ça sur le dos pour que le roi puisse circuler dans Katmandou. Alors, ça, c'est la force de la radio. Alors, à mon idée, hein, c'est aussi pour ça que j'en fais, c'est qu'on fabrique des images quand on entend des trucs comme ça. Là, il parle de ces chaises à porteurs, de ces voitures qui sont emmenées à Dodom. Mais j'imagine qu'on en fabrique encore plus quand on est cinéaste, Claude Andrieux. Oui, oui. Non, ce qui a à noter, je trouve, qui est important, c'est qu'en fait, l'Europe s'est partagée. L'Himalaya, oui. Sans vraiment se le dire, mais ils l'ont fait, c'est-à-dire qu'on a laissé l'Everest aux Anglais, oui. Les Allemands ont pris le Nanga Parbat, oui, au Pakistan. Les Italiens le K2, et les Français ont pris l'Annapurna. Voilà. Chacun avait sa montagne, parce que personne ne pouvait aller tous en même temps sur l'Everest, je crois, parce que tout le monde rêvait de l'Everest, mais je pense que la priorité était aux Anglais, quoique les Suisses ont fait tout le travail. Les Suisses ont fait tout le travail, mais effectivement, les Anglais, comme ils avaient essayé depuis 1921, allez, ils étaient prioritaires. Ils étaient prioritaires. Ah, puis il l'a dit, c'était de bonne guerre. Ouais, c'était de bonne guerre. Bon, tout ça, si vous en avez raté un bout, vous pouvez évidemment le réécouter sur francebleu.fr. Claude Andrieux, cinéaste et producteur, est notre invité. On va parler de sa vie, son œuvre, un petit peu, dans un petit instant. Bougez pas. Avec Passion Montagne sur France Bleu, faites le plein d'oxygène.